On s'est connecté sur le compte. Le problème, c'était que tu te connectes sur le compte, l'élévation, elle n'est pas faite. Tu vas dans les quêtes, Urina n'est pas fait. C'est quoi le problème? Comment c'est possible? En plus, là, tu vois la team Zhongli à la team. Là, je me dis, non, c'est pas possible. Mais après, la personne avait dit qu'elle était en internat et que c'est un peu compliqué. Il y a toujours quelqu'un qui a un background. Il y en a un, son téléphone, il est cassé. T'es mal XP, 98 000. Oh lolo. Ah oui, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça aide énormément. Et tous les soirs, je suis en live sur ma chaîne Twitch. À 98 000 XP, c'est un peu beaucoup quand même. Sur les messages. Bon, la personne s'est connectée. Du coup, je ne peux rien dire. Il y a eu de la connexion. C'est pas comme si la personne ne joue pas. Box. Ah! Ok, du coup, elle a mis tous les 5 étoiles. Ah ouais, et ça marche pas comme ça, Genshin, hein. Ah, ça marche pas comme ça. C'est pas en mode tu mets toutes les 5 étoiles, c'est game. Il faut un perso qui reaction, comme Poupi, comme peut-être même d'autres persos en soi. Genre, je sais pas, là dans la team, il y a même Xingqiu. Ah, mais il y a Yao 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 niveau 50 aussi. Oh, Yao Yao Yao. Oh, attends. Bah, en fait, on va mettre Yao Yao alors. Ah, j'avais pas vu. Chignari, Yao Yao, bah, c'est mieux de mettre Yao Yao. C'est mieux que Chignari. Et sur les stats, déjà, Zhongli, 15 000 d'HP. Ils ont glissé 15 000 d'HP. C'est la Hess. Normalement, c'est 20 000 d'HP, normalement. En plus, t'as le 7 000, mais comment t'as pas beaucoup de PV? Bonus dégâts anémo. Oh. Ah, aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Taux critique, PV, aïe. Ah, OLXC, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais le fait que quand même le sablier il soit pas monté, mais sur les stats, c'est pas si incohérent que ça, à part le bonus dégâts anémo. Sinon, le reste, ça passe. Mais tu vois, ça aurait été mieux. PV, tu le mets à. Déjà, ça c'est mieux. Si c'est à choisir, la coupe là, elle serait beaucoup plus utile. Bonus dégâts anémo, ça sert à rien. Mais là, déjà, t'as le truc qu'il faut. Il y a des gens, ils sont AR55, ils ont même pas aptitude 4, hein. Et sinon, après, 23, 61 de TC. 103 de recharge. Le nomade, il sent le caca humide. Vraiment, il sent le caca humide. Maîtrise élémentaire. Même bon vagabond, c'est mieux. Mais pourquoi maîtrise élémentaire? Je sais pas. Nomade, ouais. Oh, il y a le 7. C'est quoi le 7? Il y a quoi? Attaque, PV. Ah, d'accord. Oh, bonus Ganemu. Attaque. En soi, ça dépanne. C'est pas si nul. Bon, à part le sablier, mais si on compte pas le sablier, ça passe, hein. Il y a pire, hein. Non, je vous assure, il y a pire. Je rigole pas. On peut réparer ça quand même. C'est pas irréparable. Je pense que c'est surtout le problème des 13%, 50%, 125 de recharge, bonus dégâts d'Endro 30%. Ah, ça c'est chimile de fou. Rêve doré et souvenir de forêt. Après, bonus dégâts d'Endro, c'est pas dégueu. Oh, y'a Yao Yao, j'ai pas vu de up. Recharge d'énergie à l'item. Ouais, quand même, l'item il est nul. Il est pas très fort quand même celui-là. Là, je suis pas trop fan. Les aptitudes, ça va. Oui, c'est mieux au moins de mettre recharge pour Yao Yao. Au moins, comme ça, elle aura pas son ulti tous les 20 ans. Y a pas de coupe, y'a pas de coupe. D'ailleurs, si je mets un PV, c'est le mieux. Hein. C'est un PV pour 100. PV. Oh, ok, je vais mettre une coupe PV. Ça a un de farmer full d'Endro pour Alaita. Genre, Gladja d'Endro, ça passe. Sinon, Bennett, il te. Non! Ah, Bennett Cryo, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, putain, la merde ultime. Oh, il y a de la recharge, ça, c'est bien, ça. Oh, 67 de recharge, c'est lourd. C'est bien, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça va. Quoi? Faut pas monter les attaques normales, hein. À chaque fois, tu montes les attaques normales sur tous les personnages, des fois, c'est inutile. Ça se voit que c'est un peu la hess, le compte. Monte d'abord les compétences d'échaînement. La plupart du temps, c'est ça qu'il faut monter en priorité. Après, pour les DPS, les mains, tout ça. Tu peux monter les attaques normales, mais c'est pas dans tous les persos. Pas dans tous les persos. Le voie, la voyageuse, bon, la voyageuse n'est pas build. Xingqiu, Xingqiu, c'est bien ou pas? Xingqiu, c'est aléatoire. Hein. Oh lolo lolo. Aïe 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 aïe. C'est difficile quand même. Et Poupi, bah, elle est pas montée. Oh si, il y a un set quand même pour Poupi. Il y a eu quelque chose qui a été fait? Set. Ah non, en fait, non. Non, en fait, il y a rien. Rien. D'accord. Bon, j'ai regardé vite fait les moras s'il y a un truc. Oh, oh là là, qu'est-ce que je dois faire là? Ouh, aïe 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 aïe. Ok. Bon, on va réfléchir avec ce qu'il y a déjà. Déjà, Nomade, est-ce que je le laisse? Parce que bon, ça va nickel en vrai. Mais un électro. Bah, Zhongli, il est déjà monté. Du coup, quoi, il monte tous les persos 40-50? Il gaspille là à son niveau. C'est vrai qu'il y a beaucoup. T'as pas tort, hein. T'as pas tort qu'il y a eu beaucoup de personnages qui ont été montés comme ça niveau 40. Et je pense que ces moras. Voilà, où sont partis ces moras? C'est là. Je pense que les moras, ils sont partis là. Malheureusement. Cookie à la place de Yao Yao. Enlève Zhongli et mes cookies. Non, attendez. Eh, dans le chat. Vous avez jamais réparé un compte. Vous savez pas que quand il y a un compte comme ça de la Hess, tu peux pas comme ça changer tout. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche la vie. C'est pas comme ça qu'on décide la vie, hein. Eh, faut jouer avec un peu le minimum. Si y a un perso qui est déjà monté, on va pas partir sur un perso niveau 40 alors que là, il y a du 60 quand même. Ça serait bête. Même si, on va dire, il n'y a pas une opti de fou, ça sert à rien de, on va dire, partir sur ça. Oui, peut-être. Oui, là, le personnage à monter. Cookie Shinobu, Bennett.
été logique. Même Chilnari, ça serait bien de le up pour une deuxième team, sinon double team Nenro. Mais en attendant, cette team là, elle passe. C'est pas la meilleure team au monde, etc. Mais au moins ça va. Là, ça peut dépanner. Il y a les réactions d'Enro. Il y a au moins le shield, comme ça t'es tranquille. Il y a le heal. Dans la logique, elle va pas mourir avec ça. Oh là, il pue, t'es ban. Mais cette team là, elle passe. Par contre, après, le problème, c'est l'XP. J'ai un peu de mal. L'XP. Comment je vais faire ça? Je pense que c'est mieux de farmer un peu de des morins. Hein. Parce qu'avec ça, je peux rien faire. Hein. En vrai, je peux vraiment rien faire. Hein. Mais ça va être un peu long. J'ai pas envie de quand même passer toute ma journée là-dessus. Parce que là, il y a tout à faire. Il y a combien de primo? 90. Oh non. Non. Le compte, il est bien. Pour son niveau, c'est normal. C'est parce qu'en fait, elle est jamais allée dans l'arbre de 7. Enfin, l'arbre de Sakura, je veux dire. Oh putain. Oh, ça va en soi. Ça va 100 000 moras. Bon, on va essayer d'économiser ces moras. Là, ça va vraiment être une économie de moras petit à petit. En bien. J'ai deux singles en plus. Peut-être. Deux singles. Flop. Flop. Dommage. On va le mettre à light item celui-là. Parce que comme les stats, au vu des stats un peu misérables, faut dire la vérité, les stats ils sont trop gaze. Du coup, on va mettre ça à Chignari. Enfin, à light item, je veux dire, on va remplacer. Oh, bonus dégâts physiques. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas vu. Oh non. Oh, le light item qui sent la merde. Hein. Oh, il y a 118 000 moras. On a un flamme blême. On a un PV. Je pense que je vais le gérer ça là. On va espérer. En plus, il y a des bonnes stats. TC recharge. Franchement, ou à 2 s'il te plaît. Dommage. My bad. Désolé. Bon, ça arrive, chacun a ses défauts. Au moins, c'est pour la stat flat. Oh, le défense, putain, non. Le défense qui est venu pour rien. Ah, le défense, on aurait pu s'en passer. Ah, c'est une... Ah, c'est pour ça le bonus dégâts physique. Du coup, ça joue en attaque auto. Mais c'est un peu con quand même. Mais je comprends maintenant. Non, franchement, j'ai envie de mettre messager de l'aube. Honnêtement, ça passe. Hein. Au moins, il y aura des crits en plus. 19, 28, ça fait 30, ça fait 50. 50 de TC, 91 de DC. Avec une forte attaque de 900. Non, j'avoue, c'est pas ouf en fait. J'avoue, l'arme est carrée. Mais j'avoue, je préfère. Au moins, c'est plus. On va dire, c'est plus cohérent. Avec Zhongli, Yao Yao, normalement, je serais souvent à plus de 90. 16%, 31, 25, 19, 14. C'est pas une dinguerie, mais il y a pire. On va partir sur un full PVC. Là, 2500 de mort. Bon, ça va, je dépense pas trop de mora. Allez, PV+. La défense m'aime bien. La défense m'aime bien. 21 000. Bon, c'est dommage. J'aurais préféré ne pas faire ça. Mais ah, c'est 22 000 mora quand même. Oh, les stats dégâts crit. Pourquoi faire? J'avoue, ça aurait été mieux un PV. Du coup, là, on est à combien? 26 000. Ok. Là, je suis en train de couper quelque chose. Il va bien tank. Normalement, le Alaitam, il va rester avec ces stats-là. Impossible. Maintenant, la seule chose à faire, c'est Yao Yao. Là, c'est Yao Yao. C'est le plus important. Faut monter aussi les PV. Elle est à 11 000 de PV. Putain. La PV, on peut monter ça. Oulala, je sais pas si je peux couper quelque chose, là. Je sais pas, bonus de soin, si je le mets à Yao Yao. Ça sert à quelque chose, bonus de soin. En vrai, PV, ça suffit. Oh, du TC. Là, elle passe à combien, là? Elle passe à 12 000. À 12 000, c'est pas beaucoup, hein. Elle va rien in, non. Je vais faire la quête d'élévation et je vais farmer vite fait le donjon d'Endro. Parce que là, il y a quête d'élévation. Normalement, on l'a fait aise avec la team actuelle. Alaitam is cooking. Bon, il n'y a que Alaitam qui fait des dégâts. Sinon, le reste, ça pue sa mère. Du coup, c'est ça, bilan. L'endurance fait pitcher. Après, l'explo, elle n'a pas été bien fait. En vrai, ça se voit. Mais il y a. C'est Xingqiu sans l'épée rituelle. Oh là là. Ça qui a pas de réaction. Ah ouais, mais le Xingqiu, il a un sérieux problème. Mais elle est là en plus. Oh, attendez, je recommence vite fait parce que je pense pas que je vais réussir le donjon. Ah bah, je peux pas. Les réactions, c'est. Ouais. Vas-y, le Xingqiu, il casse la tête. Des trop gaze. C'est le Xingqiu qui baisse tout, là. Ça perturbe de jouer sans réaction. Bon, peut-être que je vais devoir restart. Hein. Putain, j'aurais dû regarder un peu avant de commencer. Oh! Oh, d'accord. Ah, c'est Xingqiu, je lui avais mis les périchuels, ça aurait... Je sais pas s'il y a le temps. Ah, l'item go de fou, par contre. Hein. Ah, la recharge de merde de Xingqiu. Ah, merci à l'item. Hein. Putain. Oh, la team, elle est bien, mais... Oh, le Xingqiu, il est trop nul. AR50. Ouais, l'AR50 qui fait mal au cœur parce que bon, là, la galère que c'est aussi. Bon, faudra baisser le niveau de monde, hein. Mais Oh là là. Ouais, c'est très compliqué, hein. Ah, le compte, il charge de zinzon. Et là, je peux au moins monter l'éveil. Ah, je peux même pas. Est-ce qu'avec la boutique de Mondstadt, est-ce qu'elle est là, la boutique? Oh non, j'ai oublié d'ouvrir le coffre. T'as baisé le compte. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, je peux récupérer des moras comme ça au moins. Ça fait 100 000 moras au moins, c'est déjà ça. Si dans le chat peut donner... Est-ce que dans le chat, il y a quelqu'un de gentil qui peut donner des 1€ de cristaux primaires à la personne? N'hésitez pas. Oh, merci Nono. Merci pour le sub. Oh, jure, t'as donné. J'ai voulu accepter. Let's go. Le remboursement. Vas-y. Merci Baro. Merci chef. Vous avez vu? C'est remboursé. Et là, il y aura une 5 étoiles en plus. Là, il y a une 5 étoiles.
chose. Après, on peut pas tout faire dans la vie. Ok, et j'espère que vous allez me carry. Du coup, c'est ce donjon là que je dois farmer. Ah merde, j'ai oublié de faire des condensés. C'est pas possible. Peut-être que la personne n'a pas débloqué la condensée. Imagine, c'est la même chose que la dernière fois là. Attends, attends. J'espère. Allez, dis-moi que c'est fait. C'est trop une dingue, c'est trop une dingue. Pourquoi vous faites pas vous condenser? Pourquoi vous faites pas vous condenser? Pourquoi vous débloquez pas ça? Oh, 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 oh. L'OST de Gaulmont. Eh, c'est bon, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Chacun a son style d'OST, faut pas juger. Niveau 50, faut que je fasse encore une dernière. Xingqiu Prime. Et là, le Xingqiu, il va passer de nul à chier à bien. Juste avec les Perichel, c'est vrai, hein. Juste avec les Perichel 60. Là, là, on est bon. Je lui mets ça et je lui mets de la recharge. Oh, je pense que je vais faire ça, hein. Venez avec moi, on va farmer le donjon d'Endro. Il nous faut un sablier PV, même si c'est de la merde, et une couronne PV. Et comme ça, la Yao Yao, elle sera bien. On pourra augmenter les armes, mais ça sera déjà une grande chose de fait. Eh, vous avez vu, quand il n'y a pas moi, il y a moins de dégâts. Ah, mais il y a Kokomi, mais je peux venir alors. Wesh. Ah, c'est trop... Non, c'est trop grave. Non, franchement, c'est trop grave. C'est trop méchant de fou. Eh, hey, le jeu, il m'a fait baisser la tête comme ça, là, d'un coup, mais... PV. Oh! Ok, sablier PV déjà. On est bon. On n'est pas fini. Il faut... Laisse-toi carry, petit lâchant. Ah, c'est bon. Je lâche. C'est bon, je reste là. Non, trop, je reste là. C'est bon, je... Bonus de soin. Yao yao, bonus de soin, ça se joue ou... On repart sur un autre tour. L'autre round. Et je vais mettre ça. Même si là, il y a double défense. My bad, mais... Oh, x2 en plus. Oh. Bon, en soi, je gagne de l'XP artefact. Hein. Mais oh la dingue. Aïe, 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 aïe. Bon, il y a 60 000 Mora. Là, il n'y a plus de Mora, faudra farmer les Mora. On est sur une Yao Yao qui a 17 000 de PV. En plus, avec de la recharge, en débutant, bah c'est niveau 50. Hein. Du coup, c'est un peu normal que les stats soient pas ouf. Niveau 60, ce serait à 20 000, je dirais, je pense. 20 000, non. Faut juste finir Xingqiu et c'est bon. Bon, on va finir le donjon. On va faire plusieurs fois ce donjon-là et on va s'arrêter là-dessus après. Voilà, faut quand même préciser, pour ceux peut-être qui viennent d'arriver, j'ai refait tout son set presque. Hein. J'ai fait les 4 sets. Moi, je me suis dit, peut-être un jour, les vidéos comme ça, on les appelle les cauchemars sur Genshin. Genre les cauchemars sur Genshin. Oh, mais c'est quoi ce donjon de merde que je farme? Bon, après, oh, les 4 stars, en vrai. Je vais essayer de voir les 4 stars. Les artefacts sont trop gay. Je vais regarder vite fait ce qu'il y a. Du coup, j'ai pas pris mes résines, là. Oh, putain, je lui ai vidé sa résine d'une manière. Oh. Que Xiangling, ça va niquer un peu, non? Elle va casser les couilles, Xiangling, non? Fischl, mais y a pas Fischl. Y'a pas Fischl. Ah, ça aurait été bien d'avoir Fischl. Mais ouais, ça aurait été bien. Mais y'a pas, non. Non, y'a pas. Benet, tu vas niquer Beidou en attendant. Sinon, attends qu'il y ait une bannière avec au moins Fischl et t'essaies de la voir. Parce que Fischl, c'est vrai que. Est-ce que tu vas la jouer après? C'est ça aussi. Est-ce que t'aimes bien Beidou? Si t'aimes bien Beidou, tu peux la mettre. Tu peux la mettre Beidou en attendant, mais en fonction. Et pour l'instant, la deuxième team fait rien. Concentre-toi sur celle-ci et l'autre team après tu vas voir. En attendant, parce que déjà faut que tu montes la première. Parce que la première ça serait bien de la up. Celle-ci elle peut être vraiment forte. Si celle-ci t'essaies de la up, si un jour t'arrives à voir Fischl, tu la drop, t'es bien. Et après ce qu'il faudrait, ça serait bien un autre Dendro. Un Dendro à mettre avec Chignari. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre Kolei, je peux mettre qui? Y'a qui en Dendro? Tu veux pas invoquer Naïda? Invoque Naïda. Et ton compte il est Gucciisé. Naïda Fischl. Et là tu n'auras plus de soucis dans ta vie. Allez, force et honneur. Voyageur Dendro. Oh, bien vu. Même si t'as le voyageur Dendro, invoque Naïda. Fais le méta, man. Je sais pas quoi, mais invoque Naïda, elle est trop forte, malheureusement. Mets la voyageuse Dendro, mais invoque Naïda quand même. Même s'il y a la voyageuse. Fischl, si t'arrives à la drop, let's go. Pourquoi n'aurait jamais conseillé ça? C'est pas vrai. Tu sais pourquoi tu dis de la merde? Parce que moi, j'ai toujours dit dans mes lives que faut invoquer que ce que vous aimez, ça veut dire. Voilà. Est-ce que je vous ai jugé dans le chat? Vous avez du caca des fois, certains, dans vos comptes. Moi, j'ai fait quoi? J'ai dit, ok, il y a du caca. Humide, mais c'est possible. Je n'ai jamais dit que vous avez aucun avenir. Bon, en vrai, peut-être une fois ou deux. J'avoue, j'ai déjà dit qu'il y avait des comptes pas d'avenir. Mais après, il y en a, ils abusent. Aussi, il faut reroll. Il y en a dans le chat aussi, reroller. Hein. Parce que vous avez tellement de galères, autant recommencer. Au moins, tu repars sur des bonnes bases. Réfléchis un peu dans la vie. Ah, parce qu'il y en a, c'était compliqué. Hein. Oh, fallait réfléchir. Hein. Ah, faut réfléchir pour les aider. Bon, c'est fini, mais j'aimerais bien vous dire une seule chose. Déjà, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent de l'aide. Mais arrêtez de m'envoyer un mail. J'en reçois. Soit des fois, de temps en temps. C'est pas énorme, mais ça fait un peu chier parce que des fois, je pense que c'est une sponsor. Mais non, ce n'est pas une sponsor, c'est un mail d'un abonné. Et je n'arrive pas trop à me retrouver. Du coup, s'il y en a certains, vous voulez de l'aide, arrêtez de regarder mon mail pro. Ne m'envoyez pas. De toute façon, je vais vous bloquer sinon. Si vous voulez de
l'aide, allez sur Discord, envoyez-moi un message. Malheureusement, il y a tellement de demandes que ça va être dur et que je pense qu'il y a moyen que je vous fasse un vent. Mais peut-être, il y a moyen que je vous aide. Mais s'il vous plaît, soyez sympa, juste rejoignez Discord, il est dans la description. Et sinon, même en live sur Twitch, des fois j'aide. Ou si vous voulez être aidé directement, c'est vrai que Twitch aussi, ça peut aider. C'est ou Discord ou Twitch. Mais c'est principalement Discord, on t'a capté. Allez, bonne soirée à toi, bonne journée. Et fais attention parce que sinon, je vais pas être kawaiiné. J'espère que je vais rester kawaiiné. Enfin, on verra. Allez, ciao, ciao.